Alors, le DNA, hein, comme tu peux le voir, un retour aux sources de Dinafit donc dans le monde de la compétition. Donc, on est sur un ski très léger et sur un ski avec une construction mixte, hein, bois et carbone. Donc, le DNA, comme son nom l'indique en anglais, ça veut dire ADN. L'ADN de Dinafit, c'est la compétition. Donc, on est revenu cette année sur le marché de la compétition avec ce ski. Et une nouvelle chaussure hein, qui porte le même nom, la Dina, la DNA. Donc retour aux sources de Dinafit sur ce créneau-là, qui n'a jamais été un abandon, hein, mais qui a Non. été au contraire une remise en question permanente des produits de compétition. Voilà. Donc, ce qui est ultra léger. Très léger, par contre très raide. Oui. Donc le carbone permet effectivement de rigidifier l'ensemble du C'est en fait, ski. on voit qu'il y a même pas d'écart ici pour Voilà, gagner voilà. un peu des poids. Toujours la recherche de la performance et Oui. du poids, c'est vrai. Donc on a allégé l'écart. Donc le fait de ne pas mettre d'écart sur l'intégralité du ski, juste là où on en a besoin, ça permet de l'alléger. Sachant que le quart d'un ski, sans vouloir faire de jeu de mots, c'est le quart du poids d'un ski. Il y a encore C'est plutôt concentré. des skieurs qui recherchent des skis légers et le plus droit possible, parce que bon, Oui. ils ont appris à skier sur ce type de produit, sur ce type de ski. Oui. Ils ne savent pas forcément, ils n'ont pas vraiment envie de s'intéresser donc au nouveau ski large. Et puis souvent, on a des skieurs qui ne font que des montées sèches et qui n'ont pas forcément besoin de ski très dynamique en descente ou très ludique. Voilà. Oui. Donc voilà, le nouveau DNA carbone, on va le poser. Il n'existe qu'une seule taille. C'est quelle taille? 160. Donc très court. Très court. Donc là, on est. Mais si on regarde les vidéos de permonteurs, de patrouilles des glaciers, on voit comment les gens skient avec les skis comme ça. Ils skient rapidement, mais avec Oui, c'est c'est des bons impressionnant la skieurs, descente et la mais. montée de ces athlètes. 756 Mais grammes. il faut avouer, c'est pas le ski de freeride. Ah non, c'est pas du tout la même chose. 1,5 kg, oui. C'est bon ça. 1,517 kg la paire. Oui. Voilà.